Bonjour à tous, Sylvain, éleveur de poulets dans le Finistère. Cette semaine, dans cette vidéo, on aura la fin de la préparation de la volière pour l'arrivage des poussins, jeudi. On aura la modif à faire sur la trémie, qui est à mettre sur le télesco, donc il faut absolument que je la fasse. Donc je vais essayer de faire ça le lundi ou mardi, je vais voir, absolument. Et on aura vraiment la mise en place de la volière cette semaine, des poussins, l'arrivage. Là on se retrouve à l'entrée du P3, on va préparer pour mettre les canons à gaz et en route un petit peu, et préparer pour les fumigènes. Donc les fumigènes, c'est une désinfection qu'on fait, donc c'est un insecticide. Donc on fait un insecticide et ça désinfecte en même temps la volière et tout ce qui est la structure du bâtiment. Donc je vais vous faire ça, je vais vous faire voir un petit peu. Là, on va juste mettre d'abord les canons en gaz en route. Hop, je vais poser ça là pour l'instant. Les fumigènes. Donc, les canons à gaz, on va rouvrir toutes les vannes partout. Hop, de gaz. Tac, là c'est bon. On va mettre les canons à gaz en route au fur et à mesure, chacun leur tour, pour voir un petit peu. Là, je demande une consigne de 20 degrés là, pour ce soir jusqu'à 20h. Et ensuite, je mettrai les fumigènes. Donc voilà, hop. Je vais les mettre en route. Là, ça a l'air de vouloir. C'est en route. Là, on va voir si il fonctionne, si la flamme se met en route. Déjà l'appli qui marche. Voilà. Et premier canon à gaz en route. Donc niveau de la volière, on a fini. Il reste à ramasser tout le matériel autour. On a mis les plaques d'isolation qu'on a mis. Donc je suis désolé, ça va encore clignoter. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il nous reste à descendre les chaînes, toutes les chaînes et pipettes, les mettre par terre. Mais ça va pas être compliqué, parce que ça va se faire au niveau des boîtiers. Donc faut savoir qu'on a tout mis en automatique. Les chaînes, on a tout mis avec moteur électrique, parce que ça pouvait se faire manuellement, mais on a dit, vu la longueur et le temps qu'on passe à chaque fois à faire ça, on a préféré mettre tout en électrique. Donc voilà, c'était un petit coup supplémentaire, mais on préférait. Donc hop, tiens, je vois le canon à gaz là-bas, il s'est arrêté. Ça a du mal. Ah non, peut-être se remettre en route. On va voir. Donc on met le deuxième en route. Hop. Donc là, il y a toujours un petit peu de poussière, même si on les souffle. Même si on les souffle, les canons à gaz, il y a toujours un peu de poussière. Celui-là du fond là-bas, je suppose d'aller voir. Il a l'air de fonctionner. Celui-là, il fonctionne. Très bien, impeccable. Voilà. Donc demain, on sera mardi. Logiquement, la farine va être livrée au niveau du P3. J'essaierai de mettre l'aliment dans la volière. On fera ça avec Angélique demain, avec le télesco. Parce que j'ai réussi à finir ma trémie aujourd'hui. Je l'ai remis sur le télesco. Là, je l'ai essayé tout. Je vous ai filmé ça de toute façon. Donc vous allez le voir courant dans la vidéo. J'essaierai de vous la mettre cette semaine dans le montage. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait de plus autrement? On a peint les pieds de perchoir aussi. Je sais pas si... Attendez, je vais mettre en route ce canon à gaz là. Et je vais vous faire voir. Hop. Pour l'instant, c'est compliqué. Une main. Hop, là, c'est bon. Tac. Il va se mettre en route celui-là. Il n'a pas l'air de vouloir se mettre en route. Ah si. Là, c'est bon. Vous voyez, il y a toujours un peu de poussière qui sort. C'est embêtant pour ça. Mais bon, ça va le faire. Bon, allez, hop, celui-là aussi. Les trois, ils fonctionnent pour l'instant. Donc, comme je vous disais, je sais pas si vous allez réussir à voir les pieds de perchoir. Vous voyez, là, en fait, le pied, les bas, ils sont tout noirs. On les a peints. On a réussi à les peindre. Là, tac. Donc, on a fait ça. On a peint. Il nous reste juste un petit peu un petit peu de caillebotis à finir de peindre. Mais tous ceux qui étaient un peu humides, qui restaient un peu dehors. Mais j'ai pas eu le temps. Alors, je sais pas si on aura le temps de le faire. Parce que, mine de rien, il faut qu'on prépare aussi le P1. Et là, ça arrive jeudi matin, donc jeudi en début d'après-midi. Donc, j'essaierai de vous filmer la mise en place.
des poussins. Donc voilà. Donc là, on va recevoir 33 000, il me semble, poussins. Je sais plus exactement le nombre, mais c'est ça. Donc voilà. Hop, le dernier, on est en route. Toc, je sais pas si je vais y arriver à une main. J'y arrive pas à une main. Tac. Voilà. Donc là, ça va être bon. Pour le quatrième, on va voir si ça fonctionne. Là, déjà, il se met en route. On entend et voilà. Ah non, il s'est arrêté. Donc là, c'est que des fois il peut y avoir de l'air un peu dans le gaz et qui font que en fait ça les arrête. Donc faut les relancer. Après, faut espérer qu'il n'a pas un problème au niveau du brûleur. J'espère pas. Ça me surprend. Il a pas l'air de vouloir fonctionner, donc faudrait que j'y regarde demain, je pense. Je vais essayer une dernière fois, mais je pense que je vais faire que j'y regarde demain matin. Là pour ce soir, ça va le faire. Mais... Là, il est déjà pas trop tôt, pas de bonheur déjà. Donc voilà, je suis pas forcément en retard au niveau du chauffage. Voilà, il fait pas froid dans le bâtiment, là il fait 15-16 degrés, il me semble. Donc en sachant qu'en plus je l'ai ouvert aujourd'hui, on a chauffé des bricoles dedans, donc voilà. Donc c'est pour ça. On va essayer une dernière fois. On voit. Bizarre parce qu'il s'allume bien, mais il s'éteint. Bon, mais on y regardera demain. C'est bon. Hop. Donc pour ça c'est bon. Les trois autres fonctionnent, donc on verra demain. Même à 3, je pense qu'à l'époque qu'on arrive, il fait quand même pas froid dehors tout. Les nuits sont un peu plus fraîches, mais ça va. Mais à 3 canons à gaz, on arrivera à chauffer le bâtiment. Parce que là, c'était quand même des gros brûleurs qu'on a. Donc, ils chauffent énormément, donc ça le ferait. Bon, je vais arrêter les canons à gaz. Parce que là, ça fait à peu près une heure que ça tourne. Donc, je vais faire ma désinfection. Je vais mettre des fumigènes. C'est un insecticide, donc en fait je chauffe un petit peu avant pour pouvoir refaire ressortir tout ce qui est ténébrillon, poux rouge, s'il peut en avoir. Là j'en ai pas vu sur le premier lot, mais ça peut arriver, donc en fait je remonte un peu en température parce qu'ils vont ressortir. En fait il faut savoir que quand on enlève la litière, le fumier, en fait ils se remettent dans les coins tout, donc ils peuvent dormir pendant plus de 6 mois qu'ils peuvent dormir, un pou rouge ou un ténébrillon. Donc en fait là on est obligé de rechauffer, et dès qu'on rechauffe un peu, dès qu'ils ressentent un peu la chaleur, ils ressortent. Donc là c'était le but de monter un peu en température. Donc là je vais faire l'insecticide, dans la nuit ça va se propager partout dans le bâtiment. Demain matin je vais ventiler et ensuite je mettrai en chauffe, je pense dans la journée demain. Je voudrais mettre absolument l'aliment avant de mettre en chauffe. Parce que vu qu'on va rentrer, sortir avec le télescope, je voudrais éviter de perdre du chauffage pour rien. Donc voilà, donc l'insecticide, hop, c'est cela. Hop, c'est ça. C'est un insecticide. Donc c'est de la poudre dedans, il y a une mèche. Donc on le secoue bien. On le secoue, hop, on va l'ouvrir. Tac. Et tac, et là il y a la mèche. Donc là la mèche, hop, on va prendre le chalumeau. Je sais pas si je vais y arriver. Tac, et ça va être parti. Là ça y est, mon fumigène est déclenché. Donc là en fait ça va faire une grosse fumée. Ça va faire comme un fumigène dans les stades de foot ou autre en fait qu'ils mettent. Sauf que là c'est pour désinfecter, donc c'est pour ça.
Donc voilà, on va... Hop, ça, normalement ça devrait fonctionner. Ça m'arrive des fois que voilà, je crois qu'ils sont allumés, puis je reviens 5 minutes après et je me rends compte qu'ils sont pas allumés. Donc c'est pour ça. Mais là, ça a l'air, ils ont l'air de voir le brouillard. Je sais pas si vous allez voir au fond. Alors ça va être fichu, vous allez pas voir. Hop, j'essaie de grossir, mais je vais pas y arriver. Tac, non, on n'y arrive pas, vous allez pas voir. Donc voilà, je vais éteindre comme ça, vous allez mieux voir, je pense. Donc on va faire le second. Pareil, la même histoire, on va le secouer. On le tape pour bien le décoller la poudre au fond. Donc là c'est des gros fumigènes. Normalement 1,5 me suffirait. Mais là, vu que c'est de gros tout, je préfère autant en mettre 2 que d'en mettre qu'un. Je voulais dire 1 me suffirait en fait. Mais je préfère autant en mettre 2 que 1. Au moins j'assure le coup. On le fait quand même pas souvent, on le fait une fois par l'eau. Donc voilà, on fait que ça en désinfection. Donc voilà, après je mets de la chaux par terre. Mais voilà. Tac, le chalumeau allumé. La même histoire. On y allait. Et ça va être parti. Et là il est parti, ça y est. Celui-là est parti. Donc voilà. Hop, je sais pas si vous allez voir au fond. L'autre il est parti en brouillard au fond. Je sais pas si vous voyez la fumée blanche. Ça y est. Là il est parti en fumée. Tout le petit brouillard que vous voyez, ça y est. C'est parti en fumigène. Donc là ça va se propager partout dans le bâtiment. Pendant toute la nuit, là, faut compter une demi-heure à trois quarts d'heure pour consommer le produit. Donc après, tant que ça soit désinfecté et tout, tant que ça se propage, je veux dire. Bon, comme vous avez pu le voir, je suis sur la trémie pour mettre ce télescopique, donc je l'ai rallongé. J'ai rallongé la mince la vis, en fait, je l'ai rallongé de 1,50 m, donc en fait on va venir plus haut déjà, donc quand on va lever, on va être déjà presque à 2 mètres à peu près de haut, donc déjà pour mettre sur la volée dans la structure, ce sera mieux. Là il me reste, serré là, mettre 3 boulons là. Deux vis là qui me restent, là il m'en reste un, mais là je vais mettre un support, parce que je trouve que la vis, pour la soutenir, je vais mettre un support de là à là en fait. Je vais faire une petite tige
Et hop, je vais me repixer sur le support. Là, qu'il me reste à faire, ouais, ça et le roulement. Là, il me reste un roulement à mettre. Je vais mettre un roulement à billes que je vais mettre. En fait, je vais mettre comme ça. Je vais mettre ça comme ça que je vais le mettre. Donc voilà, hop, là je vais l'encastrer dedans. Et hop, et ça sera bon. Après, il ne restera plus qu'à la fixer sur le châssis, la nettoyer et la peindre. Au moins, comme ça, tout sera propre. Ça sera nickel. Donc, on va continuer. J'ai fait le support là pour tenir la vis, pour bien que, parce que ça fait quand même une longueur, donc ça fait du poids. Donc j'ai fait un petit support et je l'ai fixé sur le châssis. Non, attendez. Toc, je l'ai fixé sur le châssis. J'ai mis deux boulons de 12 à chaque pied, donc il y avait intérêt d'avoir des bonnes mèches bien affûtées. D'ailleurs, je remercie mon papa de les avoir affûtées la dernière fois. Donc voilà, maintenant on va plus qu'à la mettre sur le télescope, on va graisser les roulements, mettre sur le télescope, puis bon, on va essayer pour voir si ça marche, comme ça sera prête pour mettre l'aliment dans la volière. Nouvelle journée, donc aujourd'hui on est à mettre l'aliment, hop, sur le papier de démarrage, dans la volière. Donc on a fait déjà une trémie, on a fait cette volière, la première structure. Donc voilà, ça marche, franchement c'est génial. Premier coup, on a galéré, au premier lot, on avait galéré pour le mettre l'aliment. Là, franchement, voilà, on a mis une heure, on va dire, avec Angélique, à mettre l'aliment en haut et en bas. Alors, en plus, voilà, on ne savait pas trop comment ça allait marcher, donc on t'a réglé tout ça. Donc franchement, si, ça marche du tonnerre. C'est très bien, c'est le top. Donc la trémie, voilà, les modifs que j'ai fait apporter, tout, c'est très bien, ça marche. Donc voilà, je vais vous mettre ça en vidéo, là. Je vais vous faire voir comment ça se passe. Donc là je suis à remplir la trémie. Donc dans les trémies on met environ 450-500 kg qu'on met. Donc on met environ une tonne sur la structure en elle-même, sur les deux structures.
Donc, nouvelle journée aujourd'hui. On est jeudi midi. Donc, on a fini de préparer la volière. Donc, la volière remplie cet après-midi, là. Donc, d'ici là, dans l'après-midi. Donc, je tâcherai de vous filmer ça. Donc, hop, on a mis de l'aliment partout sur le papier de démarrage. Je sais pas si vous allez voir. Hop. Donc en fait, là c'est pour les habituer au démarrage, les premiers jours, à mettre de l'aliment pour bien qu'ils s'habituent à l'aliment et à trouver l'eau facilement. Donc on met un petit peu d'aliment dans les gamelles, là, au bout de mon doigt, qu'on met un peu d'aliment et ensuite il y a la pipette, comme ça ils trouvent l'eau et l'aliment. Et après ils mangeront dans les gamelles. Donc après, comme je vous disais, le papier de démarrage au bout de 4-5 semaines, il va se dégrader et s'enlever tout seul. Donc ça y est, nos poussins sont rêvés dans la volière. Donc ça c'est quand ils arrivent en caisse. Donc ils arrivent en caisse de 96 poussins. Donc on compte des caisses de temps en temps pour voir si y a le bon nombre, pour avoir le nombre exact. Donc c'est les poussins qui sont nés de ce matin, donc qu'on même pas 10 heures. Donc en fait, on les remet ensuite là, on en met environ 5 caisses par section, quoi, entre chaque poteau. Donc on met 5 caisses et comme je vous disais, après on ouvrira à la suite. Donc là je vais vous décharger une ou deux caisses ensemble. Là je me situe dans le P3, dans la volière, donc vous entendez le bruit, vous avez entendu. Donc là c'est les poussins qui sont arrivés cet après-midi. Là ça fait, ouais, parce que 5 heures qu'ils sont arrivés, ouais, puis un peu plus de 5 heures. Ouais, parce que oui, il est 19h, ouais, ça fait ouais, presque 6 heures. Donc là pour l'instant ils ont l'air de bien, ils sont bien réactifs, ils bougent bien au bruit, à la voix aussi. Donc c'est super bon signe qu'ils bougent bien. Voilà, après là je fais mon petit tour juste pour bien vérifier s'il n'y a pas de fuite d'eau, parce que quand on remet en route comme ça, voilà, je regarde. Des fois ça peut arriver que les petits taquets de pipettes ils fuient. Donc j'ai ma petite perche pour appuyer sur le petit taquet de pipette. Ce que j'appelle le petit taquet de pipette, c'est ça. Alors attendez, je sais pas si vous allez voir, c'est ce truc là, au bout de la perche, comme ça là. Là. En fait c'est ce qu'est ça, en fait des fois ça reste bloqué et ça coule tout le temps. Donc moi avec mon petit taquet, au lieu d'ouvrir à chaque fois la structure, je prends ma petite perche et j'appuie sur le petit taquet pour pouvoir le débloquer. Donc voilà, franchement c'est, ils ont l'air d'être en pleine forme, ils bougent bien, il fait bon dans le bâtiment, là on a 31,8 dans le bâtiment, donc c'est bien, c'est très bien. Une bonne ambiance, donc c'est bon signe. Les poussins sont réactifs, c'est très bien. Donc voilà, donc ça sera tout pour cette semaine. Donc j'espère que vous apprécierez cette vidéo. Donc n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. Ciao !